Salut à tous, c'est Gentlefun. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci ça va être la dernière de ce petit marathon de vidéos que je vous ai fait, donc qui vous présente les chars de la nouvelle ligne de Light français. Donc aujourd'hui on va parler de l'AMX 12T, donc il précède l'AMX LC bis qui est au tiers 5 et l'AMX 1375 pardon qui est au tiers 7. Donc, comme d'habitude, je vais vous présenter ces petites caractéristiques, quelques games et vous montrer, enfin vous donner un peu ma conclusion sur ce petit char. Donc, on va commencer avec les caractéristiques. Donc, 900 points de structure. Donc, autant vous dire que si vous rencontrez un KV2, un SU152 ou un T49A, si les mecs sont pas cons et qu'ils sortent la HE, autant vous dire que vous allez ressortir soit en boitant très fortement, soit retour au garage directement. Donc c'est quelque chose que vous devez savoir. En ce qui concerne le blindage, ben ça c'est la logique en tout cas de cette ligne à partir du tiers 5. Il n'y en a pas. Donc au niveau du blindage avant, c'est 50 à l'avant, 20 sur les flancs et 15 à l'arrière. Au niveau de la tourelle, c'est 40 à l'avant, 20 sur les flancs et 20 à l'arrière. Donc, au niveau de la maniabilité, donc nous avons un poids de 12,17 tonnes, donc c'est super léger. Au niveau de la puissance moteur, c'est 275 chevaux, ça vous donne un ratio poids-puissance qui est d'environ 23 chevaux par tonne, donc c'est plutôt pas mal, 22,5. Donc au niveau de la vitesse maximale, vous avez 65, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt cool, donc c'est assez véloce au niveau de ce petit char. La rotation c'est 46 degrés et la rotation de tourelle c'est 45,89, donc quasiment 46. C'est plutôt cool. Au niveau rotation caisse et rotation tourelle, c'est plutôt sympa. Le profil, vous l'avez vu, est relativement petit, donc mine de rien. Le couplet, en tout cas la maniabilité de ce char avec un profil relativement petit, bah, ça vous aidera quand même à esquiver pas mal de shoots. Au niveau des résistances de terrain, je ne les ai pas en tête, mais je pense qu'elles ne sont pas forcément super bonnes. Si jamais vous êtes dans l'eau, attention, vous pouvez vous noyer assez facilement à cause du profil qui est petit. Donc ça, c'est un petit truc à savoir. On va passer maintenant au canon qui est un 75 mm, comme d'habitude 3 obus dans le barillet. Et là, donc c'est 2 secondes de rechargement entre les obus avec 15,6 secondes au niveau du rechargement entre barillets. Donc c'est plutôt pas mal, ça permet de lâcher ses obus assez rapidement. La pénétration est plutôt sympa au tiers 6 en tout cas, elle est de 144 mm à l'AP. Elle est de 202 mm à la PCR et enfin 38 mm à l'explo. Au niveau des dégâts, donc ça c'est quelque chose qui est vraiment sympa à ce tiers dans le sens où vous avez le même canon en fait que le 1375. Le 1375 a de meilleures caractéristiques, mais en soi c'est le même canon. Donc vous avez 160 d'alpha par obus. Donc ça vous fait un potentiel qui est assez énorme au tiers 6. En gros, vous pouvez sortir 2 tiers de vie d'un char de tiers 6. Je ne vous parle même pas du tiers 5. Donc ça peut être plutôt intéressant. Donc 135 pardon, à la PCR et 175 à l'explo. Même si, comme d'habitude avec cette ligne, à cause de l'emport assez faible de munitions, je préfère ne pas mettre de HE dans ce char. La dispersion n'est pas forcément top, elle est de 0,36, donc ça tire un peu dans les coins certaines fois. La vitesse de visée est plutôt bonne à 0, à 3,5. On va passer maintenant à la portée de vue qui est de 250, donc c'est plutôt cool sans être fou, mais ça permet quand même de faire pas mal de spots passifs, c'est plutôt sympa. Sans compter le camo qui est plutôt bon également. Donc si vous êtes derrière un buisson et que vous tirez pas et qu'il n'y a pas un light en face de vous, ben vous pouvez tranquillement faire pas mal de spots passifs et aider votre team à shooter de l'ennemi. Donc on va passer maintenant à la première game. Donc première game, c'est sur Goldville Noir. Donc je suis avec Sam 2000 des Kraken. Donc pour une fois, c'est pas fly. Sam est dans son Cromwell. Bon, si vous jouez en peloton avec l'AMX 12T, moi on va dire, j'ai spoté plusieurs pelotons qui fonctionneraient. Donc tout d'abord une doublette d'AMX 12T, tout simplement parce qu'avec leur barillet
et en focusant les bonnes, focusant c'est pas français mais c'est pas grave, les bonnes cibles, ça peut aller très vite. Et le Cromwell, tout simplement parce qu'il n'a pas de barillet et il a un feu continu, tout en ayant une très très bonne mobilité qui lui permet largement d'être au niveau du Cromwell. Donc comme d'habitude dans ce genre de char, moi j'aime bien me mettre dans cette position centrale, position étourdie si vous souhaitez, si vous suivez pardon la chaîne depuis un certain temps. On a spoté le, enfin c'est pas nous qui avons spoté, c'est Sam qui a spoté le petit V4 2801. Les heavy ennemis et nos abrutis de heavy sont partis en ville, je crois qu'ils regardent pas les vidéos, en tout cas pas cette chaîne. Pour l'instant, on n'a rien spoté, je reste quand même assez prudent, c'est une game de tier 7, vous avez vu. On a un T, ben voilà, on a un T49A, donc là clairement, ça va être le centre de mon attention pour toute la game. Donc il y en a deux même. Forcément, char OP, char fumé au tier 7, ben, que voulez-vous, hein. Donc là pour l'instant on est à 4 contre 4. Donc 4 contre. Pardon, 4 contre 3. Donc là, on essaye d'avoir des tirs sur le T49A qui est pris entre deux feux et l'avantage du barillet. Bon, là, j'aurais pas le temps de lui en mettre un, mais c'est qu'on peut sortir les cibles assez facilement. Donc le T49A est one shot. Il avait le choix entre roc et enclume. Il a choisi enclume. Donc là, on se remet à couvert. On essaye de spotter l'ennemi. Le T49A ennemi est caché derrière un bâtiment. Donc moi, j'en vais profiter, sortir le VK3001D. Et essayer de passer mes tirs sur le T49A ennemi. Donc là, il lui reste, enfin, il est deux shots pour moi, deux shots pour Sam, qui a quand même pris pas mal de dégâts. Je crois qu'il s'est pris un missile dans la face d'ailleurs. On se remet à couvert. Donc là, vous voyez, enfin, clairement, le centre de mon attention durant toute cette game, ça a été les T49A, parce qu'ils peuvent plus ou moins vous one-shot, ou au moins vous pourrir la game. Donc là, on continue, hein, donc on profite du camo, un peu de la mobilité, etc. pour sortir bientôt le T49A. Et voilà, ça c'est fait, il reste plus que la T7. Nos heavy ont nettoyé forcément la ville parce qu'ils étaient en supériorité numérique, mais bon, vous connaissez les noobs. Il est possible aussi qu'il n'ait sorti aucun char, enfin, dans ce genre de game, il n'y a pas grand-chose à faire. Donc là, on va tranquillement engager la T7 sur les fesses si on sait viser. Sam s'amuse avec notre petit AT-7 ennemi, enfin, il le circule tranquillement et on va pouvoir bah, finir cette game tranquillement. Donc vous voyez, donc là il mise 12T quand même en marche arrière qui s'occupe d'un AT-7, ça n'a pas forcément beaucoup de gloire, mais bon, c'est assez bon pour être souligné. Sa mobilité est pas mal du tout, et notamment son accélération, même si elle est un peu pâteuse vraiment tout au départ. Donc 1613 dégâts, pas forcément une grosse game. Sam a fait 1160, il a fait pas mal de spots et de kills, donc c'était plutôt cool. Donc moi j'ai bloqué le milieu pendant que Sam bloquait le haut. Donc on va passer maintenant à la game suivante. Donc game suivante, cette fois-ci c'est sur un mine. Sam est dans son Cromwell également. Donc on est top tier pour une fois, ça fait plaisir. En face ils ont quand même de gros canons, ils ont KV1S, Turo et SU100, donc va falloir faire attention. D'ailleurs c'est pas tout win, mais c'est tout win. Parce que bon, si on peut avoir quelques collègues au niveau de la colline, ce serait pas mal. Donc vous voyez, ils ont quand même deux light et un médium. Nous, on a quand même l'avantage des médiums. Donc on a trois médiums à light. Donc logiquement, si nos alliés nous suivent, on ne devrait pas forcément trop avoir de problèmes pour avoir la colline. Donc niveau mobilité, vous voyez, ça se débrouille, hein. Ça tourne plutôt pas mal. Là, on spot le T3485, on spot le Chaffee qui en veut. Donc on lui passe un premier tir, deuxième tir, et Sam le finit tranquillement. Donc on se remet en position, on lance le rechargement, l'ennemi est passé côté cap. Bah, tant mieux pour nous, ça va nous permettre d'engager l'ennemi tranquillement. Donc là on va pouvoir avoir quelques tirs sur le Lux, le léopard pardon, donc qui s'est légèrement trompé, il n'a pas vu probablement le petit rocher et se fait oblitérer. Là on va pouvoir avoir un tir sur le KV1S, on lui fait la traque et on bounce miraculeusement, parce que vous connaissez le blindage de la MX-12T, c'est vraiment très 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 bon. Ça permet de bouncer tous les tirs qui vous arrivent dessus. Donc là, T3485 qui nous en veut, on va se mettre derrière et on bounce encore une fois. Me demandez pas comment c'est possible
je ne pourrai pas vous répondre. Donc là, on va pouvoir engager le Kuro. Malheureusement, cette fois-ci, c'est moi qui tunnel totalement et qui me coince contre le rocher. C'est pas grave, le Kuro a tiré, le cavé a tiré. On va lui placer un petit tir et un deuxième petit tir pour se remettre à couvert tranquillement. Donc le Chaffy est mort dans la meilleure des positions. Ça nous fait une belle couverture. Donc là, on essaie de troller le Kuro qui tire dans le Chaffy. Le cavé qui rush tout droit, me demandez pas pourquoi. Encore une fois, on va pouvoir le finir tranquillement avec Sam et s'occuper de Monsieur Turo qui a l'air de nous en vouloir et qui essaye d'avoir son petit kill en tirant sur Sam. Donc encore une fois, on se sert de la carcasse et Sam va pouvoir... Ah non, là il a tiré dans la terre, c'est pas grave, T-34-85 qui arrive. Et on va essayer encore une fois d'essayer de troller l'ennemi. Donc vous voyez, le rechargement est un peu long, mais il est gérable tant que vous avez un peu de couverture, etc. Vous avez largement la mobilité pour vous défaire des ennemis sans prendre trop de risques. Donc là on est en rechargement, j'ai dit à Sam la négative dans le sens où il est one shot et qu'il faudrait que ce soit moi qui passe en premier, mais c'est pas grave, il est gourmand, on va essayer d'engager tranquillement le Kuro, premier tir qui passe pas, le Kuro bounce et malheureusement là Sam a été un tout petit peu trop gourmand et n'avait pas vu le S800, c'est pas grave, on est à 5-2 tranquillement, notre équipe a fait le job, on va pouvoir engager le S800 dès qu'on aura fini de recharger et le finir tranquillement. Donc 6-3, il reste plus que le T34 qui va se faire sortir par notre équipe, donc c'est parfait. Voilà, le VK3601H le finit tranquillement, donc 3 kills pour nous, une game plutôt sympa. Encore une fois, vous voyez là, si vous avez toujours une couverture ou une porte de sortie, c'est relativement facile d'engranger les barillets. Donc on finit à 2224 dégâts, gros calibre. Sam finit à 1100 dégâts, donc petit carré à 2 tranquillement. Donc vous voyez encore une fois hein, la puissance de ce petit barillet couplé au chromoel. Donc on va passer à la game suivante. Donc cette fois-ci c'est sur mine encore une fois et j'ai choisi de vous montrer une petite game que j'ai fait avec Johan, donc qui est dans son AMX 12T. Johan, ancien Phoenix, donc on va aller côté colline, donc vous connaissez déjà les caractéristiques du 12T au niveau du canon, vous multipliez ça par 2 et vous imaginez un peu les dégâts que vous pouvez faire à 2. On est top tier, en face ils ont un Dicker Max semble-t-il, ils ont un ARL, un Cromwell, donc on peut aller côté colline. Donc un Français qui nous demande ce que c'est il, bah voilà, au moins il sait maintenant. L'ennemi qui s'est dirigé vers la cape, c'est parfait, nous on a la colline tranquillement, on va voir si on peut engager l'ennemi sans prendre trop de risques au début, donc nos alliés sont partis côté droit également, donc me demandez pas pourquoi, hein, c'est du bâtière, c'est pas grave, on va essayer de voir ce qu'on peut faire tranquillement, sans prendre trop de risques. Donc là le piège c'est de redescendre de la colline, donc là vous avez une position d'avantage, vous avez une position de hauteur, vous voyez les ennemis en bas, même si vous n'avez pas de dépression, bah vous pouvez quand même vous en sortir. Donc là VK2801, j'essaye de gérer un peu ma dépression, ça fonctionne pas forcément, c'est pas grave, on va voir si on peut avoir des tirs sur lui. Voilà, premier tir qui passe, deuxième tir qui passe et on se met en rechargement. Donc petite dépression qui est pas forcément bonne, donc Yuan lui est descendu pour engager les fesses de l'ennemi, il est relativement safe dans le sens où pour l'instant l'ennemi a l'air totalement obnubilé par voilà notre L4, on continue d'engager le VK2801, on se prend un tir au retour, c'est pas grave, le trade était plutôt bon, et là je vais essayer d'aller soutenir Johan parce que il commence à être un peu dans le caca, dans le sens où l'ennemi s'est débarrassé de la menace devant, donc maintenant ils ont forcément envie de se débarrasser de la menace arrière. Donc là, petit chinou qui se présente, notre VK28 qui est totalement aware, c'est pas grave. Donc on va essayer d'engager le T37 si on peut. Donc premier tir qui passe, on va éviter de prendre le retour de feu, c'est parfait, on lui passe un deuxième tir. Donc là je suis en chargement, malheureusement le MT25 qui engage Johan au même moment. Donc là le VK28 heureusement descend pour aller choper son kill et c'est pas grave, on est à 1-4, logique. 2-4 maintenant,
Et la game est plutôt mal barrée, dans le sens où vous voyez, l'ennemi a continué de flanquer pendant que eh bien, nous on essayait de s'occuper un peu tout le monde. Donc le VK28 finit le T37 qu'on avait commencé d'engager. Là je veux avoir un peu de spot. On spot le VK28, on spot bah, tout le reste de l'équipe. Le VK28 fait l'énorme erreur de monter alors qu'il est one shot, c'est pas grave. On va essayer de se mettre à couvert par rapport à l'ARL. Donc là j'attends un peu que Johan arrive et je vais pouvoir l'engager tranquillement. Donc premier tir qui passe, deuxième tir qui ne passe pas, c'est pas grave, on se met en rechargement et vous voyez niveau mobilité ARL versus AMX 12T, ben, il n'y a pas photo. Donc là on fait le tour, on prend le temps de recharger tranquillement. Il n'y a pas le feu, on est à 4-5 et c'est largement jouable. Donc on lui passe un premier tir et on le finit tranquillement. Donc Johan est juste derrière moi, on est à 5-5 cette fois-ci. On va pouvoir engager le petit Cromwell qui est quelque part. Donc Johan est quand même one shot, donc faut faire quand même attention. Et le Cromwell forcément arrive par derrière. Donc Johan qui va magnifiquement bouncer, voilà le tir du Chrome. Moi je suis rechargé, donc je vais essayer de tanker un peu. On lui passe le premier tir, le deuxième tir et le troisième tir. Johan va pouvoir le finir tranquillement. Donc voilà, 6-5, il reste maintenant que l'éditeur Max qui était spoté près de la cape. Donc soit il a bougé, soit il est resté là. Donc moi j'ai les HP pour prendre un tir. Donc là on spot, c'est pas un éditeur d'ailleurs, pourquoi j'ai dit éditeur? C'est un Ashorn. Surtout que l'éditeur est tier 7, si mes souvenirs sont bons, on le finit tranquillement. Donc 3 kills pour moi, 1 kill pour Johan et une game plutôt bien remplie. Donc vous allez voir les. Au niveau des stats, ben, ce petit peloton fait plutôt des merveilles au tier 6 en tout cas. Donc 2400 dégâts pour moi, classe de gros calibre, et Johan à 2100 dégâts. Donc vous avez vu, le reste de notre équipe n'a strictement rien fait, c'est pas grave, mais un bon carré à deux. Donc vous avez eu la puissance de deux barillets ensemble. Donc on va passer à la game suivante. Donc cette fois-ci, on est sur Pyramide Antique, je suis toujours avec Johan qui est dans son Cromwell B. Donc, basiquement, le Cromwell B, c'est comme un Cromwell, sauf que c'est un char de tier 6 premium. Donc, on va aller se diriger côté gauche. Vous avez vu, notre line-up est relativement light. On n'a que 2 heavy. En face, ils ont quand même du gros. Ils ont de l'ARL 44, du Kuro et du KV2. Donc, ça fait plutôt pas mal. Pour l'instant, on n'est pas suivi. C'est pas grave. Le T37 a l'air de nous suivre. Et donc, on va se diriger ben, côté médium et voir un peu ce qu'on peut faire sans se prendre des rochers si possible. C'est pas grave. Yuan avait quelques petits problèmes de connexion, je crois. Donc, c'est pour ça qu'il a démarré un peu lentement. Donc, là, pour l'instant, on ne spotte rien. On va aller sur le pont pour voir si on spotte quelques retardataires au niveau de l'équipe ennemie. Donc, là, pour l'instant, rien de spotté. On continue et on va bifurquer sur la gauche pour pas trop s'exposer aux heavy ennemis. Donc, vous avez vu les rochers, je les adore. C'est pour ça que je leur fais souvent des câlins. On continue tranquillement, on a un light qui est spoté vers la cape, donc là pour l'instant on fait le tour tranquillement, on n'est pas spoté, hein. Le camo est plutôt bon et on veut essayer de choper les ennemis par derrière. Donc là Johan a commencé à engager le VK28, c'est parfait, donc moi je suis spoté par le M6 en arrivant, c'est pas grave. On va essayer d'engager le VK tranquillement et le finir. Donc voilà, ça c'est fait. Il nous reste deux obus. On a un T34-85 qui ne nous regarde pas. Donc on lui en met un. On lui en met un deuxième. Et on se met en rechargement. Vous avez vu là, tranquillement un petit recoin dans lequel vous pouvez recharger tranquillement. Donc le T37 est arrivé également. C'est parfait. On va pouvoir engager le M6. Le premier tir qui part dans la terre, parce que oui, j'adore les taupes, c'est pas grave. On lui passe le deuxième et le troisième. Le 12T qui arrive comme une bombe pour engager le T37. On se remet à couvert. Donc vous voyez là, c'est très important. Je suis jamais en première ligne. Enfin, je suis jamais la cible première de l'ennemi. C'est quelque chose qu'il faudrait que vous arriviez à faire dans ce char. C'est parce que de toute manière, il accepte pas bien de se prendre des tirs. Donc là, l'ennemi est arrivé sur place. On engage le Kuro. Et on se remet à couvert. Malheureusement, Johan va se faire sortir en voulant sortir la limite boostée, c'est pas grave. Le KV2 a tiré, donc c'est ce qui me pose le plus problème en fait. Donc là, on va essayer d'engager le M6 qui est le plus bas en vie. Donc là, il faut vraiment sortir des canons, c'est pour ça que j'ai choisi le M6. Malheureusement, le deuxième Boons et le troisième sur le KV2 Boons aussi. Donc le T34-85.
essaye également de sortir le M6 sous le turbo et malheureusement c'est un peu compliqué, les deux sont relativement blindés et on se tape des moots assez horribles. Donc là KV2 qui veut absolument son one shot, donc on va essayer de l'obliger à tirer, baiter son shoot et essayer ben, de se dégager d'ici parce qu'on est à 3-6, donc c'est Kolobanov ou rien du tout. Donc là, on se barre, ça fait rien si on se prend des tirs, le KV2 a tiré, donc on passe le premier tir sur le Kuro, deuxième qui passe pas sur le M6, troisième sur le M6 qui passe, on le finit, on n'est plus qu'à 1-3 et maintenant on se casse. Parce que KV2 est pas loin d'avoir fini de recharger, vous connaissez le KV2 et on est à moins de la moitié d'une vie. Donc on se dégage, on part d'ici, on essaye d'être des spots. Et on va essayer de gérer un peu. Heureusement, j'ai envie de dire, ce sont 3 heavy, donc forcément, j'ai l'avantage de la mobilité, du camo et de la portée de vue. Donc, vous connaissez vos avantages et les avantages de l'ennemi. Donc, autant essayer de jouer sur vos avantages plutôt que ceux de l'ennemi. Donc, on se relocalise tranquillement. Là, je m'attends à ce qu'il commence à caper. Forcément, parce que ils savent, hein, j'espère en tout cas qu'ils savent qu'ils ne me choperont jamais, en tout cas sur la mobilité. Donc voilà, ils ont commencé à caper. Là pour l'instant, il n'y a qu'un seul gars au niveau de la cape. Donc on va essayer d'aller le spotter dans le petit buisson. On ne spot rien, ça veut dire qu'il est dans la mare. Donc il est en train de barboter joyeusement dans la petite mare de la cape. C'est pas grave, on va se rapprocher un peu. Je sais qu'il y a des buissons qui permettent de spotter sans être vu, en étant en light en tout cas. Donc celui-là par exemple, et là on spot le Kuro. Donc on va reculer, on ne veut pas se mettre dans la ligne de feu des chars de la cape. Donc on est protégé par les bâtiments. Le Kuro qui a l'air de vouloir revenir, c'est parfait. On va pouvoir l'engager tranquillement. Premier tir qui passe et on est spoté, c'est pas grave. Deuxième tir qui passe et on le finit tranquillement. Donc là on se dépêche de se casser. Je m'attendais à ce que le KV2 arrive sur moi, c'est pas grave. Donc là vous avez vu au niveau de la cape, ça monte plus vite, ça veut dire qu'ils sont deux. Donc je sais exactement où ils sont. Donc là j'ai lancé un rechargement tranquillement et je vais me mettre au niveau du petit buisson que j'avais choisi au début pour essayer de décap. Donc tranquillement, donc le temps qu'ils tournent leur canon, etc. On va voir ce qu'on peut faire. Donc là KV2 qui regarde pas, c'est parfait, on va pouvoir lui placer un tir, le deuxième tir est passé également, et le troisième tir est passé tranquillement, on se remet à couvert, on a décapé, et on va pouvoir essayer de brainer un peu les ennemis. Donc là je fais mine d'aller côté centre, je me ravise pour leur faire penser que je prends un peu plus de temps, et je vais faire le tour, et là vous voyez au niveau des obus, bah, il ne me reste plus grand chose, il me reste une AP, donc là c'est pour ça que je décide de lancer le reload au niveau de la PCR, j'en ai pas utilisé de toute la game, il m'en reste 9, c'est parfait, ça va me permettre d'assurer mes peines. Et on va aller prendre le buisson, mais de l'autre côté, donc vous avez vu la cape, enfin, il n'y a pas de pression au niveau de cette cape. La pression est au niveau des canons ennemis, notamment du KV2 qui peut me one-shot. Donc on va se mettre dans le buisson, je reste quand même très prudent pour spotter le KV2 qui regarde derrière. Il n'a pas l'air si con que ça parce qu'il savait que ben forcément s'il m'avait pas spoté, ça veut dire que j'avais fait le tour. Donc on le laisse one shot, il reste 30 secondes. On va pouvoir essayer de brainer encore une fois. On va potentiellement attendre d'être des spots. On s'est fait, c'est parfait. Et on va passer cette fois-ci au sentier. La carcasse de notre allié qui va nous servir. Le KV2 qui regardait à droite. C'est parfait. Petit drop de FPS. On finit le turo tranquillement. Donc cette 6, une petite colo assez sympa. C'était plutôt cool. Le T3485 qui dit GG. C'est sympa. C'est toujours sympa de recevoir ça. Donc 5 kills, la Radley, la colo, 2497 dégâts et une gamme plutôt bien remplie. Donc j'espère en tout cas que ça vous permettra de voir un peu au niveau mobilité ce que vous pouvez faire. Le canon fait le taf, vous voyez, vous êtes relativement précis. En plus j'étais sur mon compte donc j'avais pas tous les équipements. Et bah ça permet quand même de faire des games plutôt sympas. Donc si vous jamais vous êtes dans cette situation, toujours jouer sur votre distance de vue, votre camo et votre mobilité plutôt que jouer sur la force de l'ennemi. Donc voilà, en tout cas c'est tout pour cette petite game, ces petites games, j'espère que vous aurez apprécié et que ça vous éclairera en tout cas sur les possibilités de MX12T.
En tout cas, ma conclusion sur ce char, c'est qu'il est relativement agréable à jouer. J'attends encore 4 jours dans le sens où il y a encore ces T49A qui peuvent vous pourrir littéralement vos games. En tout cas, dans 4 jours, ce sera fini, et bien heureusement. Je pense que pour ceux qui ont l'habitude de jouer des chars à barillet, vous allez être relativement surpris par ce petit char si jamais vous ne l'avez pas encore eu. En tout cas, moi j'ai plus ou moins adoré. Même en étant lotière, il y a moyen de faire quelque chose de sympa. En tout cas, au niveau des pelotons, ben, comme je vous l'ai dit, char avec même mobilité, avec même canon, donc AMX-12C ou autrement le Cromwell B ou le Cromwell fonctionnent très bien ensemble. Et j'imagine que le VK-28-01 fonctionne également assez similairement au niveau que le Cromwell dans tout cas. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo et ce petit marathon de vidéos que je vous ai fait. En tout cas, j'espère que vous aurez apprécié cette petite série de quelques vidéos, je crois j'en ai fait 5 ou 6, et j'espère que ça vous aura aidé à, en tout cas, choisir ou non de grinder cette ligne. En tout cas, moi ça m'a fait bien plaisir de faire cette petite série, c'était plutôt cool, ça m'a bien amusé. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser des commentaires si jamais vous avez déjà débloqué la MX-12T, dites-moi ce que vous en pensez, si vous l'appréciez ou non, comment vous jouez, etc. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, et si jamais ce n'est pas fait, n'hésitez pas à vous abonner. Allez, salut!